après-midi à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver une fois de plus et un immense plaisir d'être la vôtre en cette mi-journée pour la nouvelle édition de 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. En nouvelle, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, séjourne depuis ce lundi soir à Lilongwe, capitale du Malawi. C'est pour participer aux travaux du 41e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement des États de l'Afrique australe SADC, ce mardi au Centre international des conférences Bingwa Mutharika. Ce sommet est de tous les enjeux pour la République démocratique du Congo, qui a aligné un candidat au poste de secrétaire exécutif de la SADC. À son arrivée, il a été accueilli à l'aéroport Kamuzu par une équipe restreinte des officiels malawites et congolais ayant participé aux travaux préparatoires de ce sommet. Direction Nord Kivu pour vous parler de la démonstration de force des forces armées de la République. Les différentes unités ont effectué une marche d'endurance à travers la ville de Goma, marche ayant pour objectif de montrer leur détermination d'en finir avec l'insécurité dans l'est du pays. Suivi. Une marche d'endurance de toutes les unités de la garnison de Goma, avec à sa tête le général de brigade Chinkobo Gislain, commandant de la 34e région militaire et commandant en place, et le contre-amiral Egide Ngoï John, commandant du 33e groupement naval, a eu lieu ce samedi 14 août dans la matinée à Goma. Au cours de cette marche, l'armée a montré à la population de la ville de Goma qu'elle a une santé de fer, mais aussi rassuré à cette dernière qu'elle a une armée et une police capable de la sécuriser, nous explique ici le commandant 34e région militaire. La marche d'endurance s'inscrit dans ce qui concerne la santé d'abord physique des militaires. Vous savez que nous sommes appelés à rendre le service à la nation, mais ce service doit être rendu par des gens qui sont en bonne santé. Dans cette marche, c'est juste dans le cadre de la constitution physique de nos éléments, le maintien en bonne santé de nos éléments, et aussi et surtout rassurer aussi la population que, à l'heure où nous parlons, qu'ils ont une armée et une police qui sont engagées pour être à leur service. De l'état-major de la 34e région militaire au rond-point Rutshuru, en passant par rond-point Signers, cette marche a eu comme point de chute le stade Afia dans le quartier Les Volcans où l'autorité a donné un débriefing. À une question posée au ministre de la Communication et des Médias par la presse sur la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, a exhorté les acteurs concernés à trouver intérêt d'entente. Les gouvernements attendent financer les échéances électorales dans le délai du calendrier électoral, affirme-t-il. On écoute. Qu'est-ce qui est attendu de nous dans le cadre du processus électoral ? Les financements, la mise à disposition de moyens pour la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, le gouvernement n'a aucune responsabilité dans les choix des animateurs de la CENI. Nous suivons avec attention la question, vous avec nous sûrement. Et lorsque les gens parlent de dialogue, mais de quel dialogue on parle encore? Pour parler de quoi? Vous vous souvenez qu'il y a même pas une année, le président de la République a initié des consultations plurielles qui ont pris un mois. Il a parlé avec toutes les forces représentatives du pays, les forces politiques, les forces sociales. Et au terme de ces consultations, il est ressorti un plan qui veut que les élections se tiennent entre autres dans les délais, parce que nous tous nous avons convenu. Il y a un gouvernement de l'Union sacrée qui a été mis en place avec toutes les forces qui ont été consultées. Alors un dialogue pour parler de quoi? Pour parler de l'organisation des élections ou pour parler de quoi? Bon, peut-être que le moment venu, il faut spécifier la question, mais ici, ça doit être clair. La volonté du gouvernement, c'est dit et redit, nous voulons faire les élections dans les délais. C'est aussi ici l'occasion de réitérer l'appel que le Premier ministre a lancé aux différents acteurs qui sont impliqués dans ces processus. Ils doivent se dépasser. Ils doivent se surpasser parce que nous avons le temps qui court.
Parce que je lis à gauche, à droite, on parle des glissements. Si vous pensez, si on vous dit que le gouvernement planifie les glissements, c'est une grosse erreur, un fake news. Nous, nous travaillons dans la perspective de l'organisation des élections dans les délais impartis. Ça doit être bien clair et bien noté. Mais donc, pour arriver au dénouement du processus électoral, il y a des processus par lesquels nous passons, qui sont fixés du reste par l'Assemblée nationale. Les différentes composantes sont en pleine discussion. Nous espérons qu'ils vont faire vite pour permettre au gouvernement d'avoir un interlocuteur avec lequel avancer sur le processus électoral. La réhabilitation des routes de desserte agricole est une préoccupation du ministre d'État en charge du développement rural. François Rubota a fait le déplacement du plateau des Batéké le week-end dernier. C'est pour se rendre compte du démarrage effectif des travaux de réhabilitation des routes de desserte agricole dans cette partie de la ville de Kinshasa. C'est parti avec Jean-Pierre Ndolo Demazou. Ce n'est plus un secret pour personne. François Rubota Masumbuko tient mordicus à la réhabilitation des routes de desserte agricole en République démocratique du Congo. Le ministre d'État en charge du développement rural est descendu sur terrain pour donner un coup de pouce à ce travaux. Au village Bita et à l'accès routier Mambutu, François Rubota s'est adressé à la population. Le numéro 1 du développement rural a exprimé le souci du chef de l'État et du Premier ministre Samalou Kondé de voir les routes de desserte agricole dans toutes les provinces du pays réhabilitées. Sa présence traduit cette volonté du chef de l'État. L'objectif principal de notre descente, c'est pour nous rendre compte de l'effectivité des travaux lancés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire à travers toutes les 26 provinces. Nous sommes à la première étape. Je vais faire rapport à son Excellence, M. le Premier ministre. Et puis par après, lui-même descendra sur terrain pour voir ce qui est en train d'être fait. À la chute de Maputuka, le constat fait par le ministre d'État est plus qu'amer. Les routes de desserte agricole sont quasiment impraticables. Une situation qui interpelle le bourgmestre de la commune de Maluku, Jacques Epiana Munze. François Rubota n'entend pas baisser le bras. Les directives données par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de développement rural devront être suivies à la lettre afin de développer les entités rurales. L'actualité, c'est aussi cette descente sur les marchés. Malgré l'accord entre le gouvernement et les opérateurs économiques pour baisser le prix des produits vivres frais, la réalité est toute une autre sur le marché, une situation qui fait grincer les dents des commerçants qui ne savent pas à quel point, à quel sein se vouer. Béatrice Chaco, Patrice Ungo nous en parle. Aucun dollar de réduction sur les surgelés. C'est le constat fait après la mesure gouvernementale qui ramenait à la baisse les prix des vivres importés. Les tenanciers des chambres froides, qui sont revendeurs, ne savent plus à quel sens s'y vouer. Papa Fati, tozana pasi. Depuis vendredi, tozali bachate. Manana biso loko balia kezali mpio dina soso na kuisi. Cuisses de poulet, chinchard, poulet sont les trois principaux aliments que mangent nos enfants. Depuis vendredi, les Libanais ont fermé et retiennent le stock. Ils nous renvoient, nous approvisionner chez vous. Si d'ici le vendredi, rien n'est fait, la carence sera totale. Soto comité vendredi solution zoomité. Carence est encore totale. Au lieu de la baisse, c'est la hausse qu'on constate. Ils nous ont restitué l'argent des commandes. Nous nous promenons avec l'argent dans les sacs. Ils refusent de nous vendre le produit. En tout cas, ta importateur Mobotalingiko. Aucun importateur n'accepte de vendre ses produits à Soucimex. Ils fixent le prix, mais ils refusent de vendre. Ils ne vendent que un ou deux cartons. Les gros importateurs ont carrément fermé leurs chambres froides. Encore quelques jours de retention des stocks, la pénurie risque de gagner toute la capitale. Situation qui ne facilite pas la tâche, commerçants du marché Gambela. Ce sont des gens qui doivent être punis sévèrement. Ils veulent saper le travail des titans abattus par le chef de l'État. Les prix n'ont pas baissé. Ils attendent de liquider leurs anciens stocks avant toute diminution.
diminution de prix. C'est à peine que nous venons de décharger les surgelés. Je vous assure que toutes les chambres froides sont pleines. C'est un mensonge de dire qu'il n'y a pas de stock. Tenez, ces manutentionnaires, après nous avoir fourni toutes ces informations, il a été renvoyé du service. Les chambres froides sont fermées et l'on ignore pour combien de temps. La population s'impatiente et les paniers de la ménagère continuent d'en souffrir. Après plusieurs jours de fermeture, bars, terrasses et discothèques ont réouvert. Le week-end dernier à Kinshasa a été explosif, constaté par Cédric Elina et Jean-René Kabamba. Comme un air de liberté, aussitôt ouvert, aussitôt envahi. Terrasses, bars, discothèques, la vie a repris son sens. Kinshasa by night s'enflamme de nouveau. Les spectacles autour des brochettes répond, y compris les amitiés d'un soir. Il ne restait plus que ça. Nous sommes venus de France et retrouver Kinshasa dans cette ambiance. Nous sommes contents, nous remercions les autorités, notamment le président de la République. Vous voyez l'ambiance. Donc on est content, on est content. On a souffert pendant une semaine, mais pour l'instant ça va. L'ambiance commence, donc c'est bien. C'est bien, et oui. Il faut se lâcher, mais avec responsabilité, car la Covid-19 n'est jamais loin. Une chose est vraie, que cette levée ou encore assouplissement des restrictions sanitaires redonne une bouffée d'oxygène aux tenanciers des bars et terrasses. C'est une réouverture salvatrice pour les tenanciers des bars, boîtes et tout ce qui va avec, parce que ce secteur était un tout petit peu asphyxié, économiquement parlant, et c'est vraiment, ça arrive à point nommé. Premièrement, on avait des problèmes de loyer, donc là où on loue. Et on avait aussi des problèmes avec nos agents qui est mieux placé dans nos terrasses. Donc ça nous a vraiment déstabilisés. Mais avec cette ouverture, vraiment, on remercie beaucoup les chefs de l'État. La courbe de la maladie étant descendante, l'usage des gestes barrières serait la voie idéale pour arrêter la hausse des cas de contamination. Le contraire serait prêter les flancs à une quatrième vague. Dans l'actualité également, Tony Mwamba Kazadi signe et persiste. Le ministre de l'EPST ne baissera pas les bras quant à l'adressement du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique et à la défense de la cause de l'enseignement. Il apporte ainsi une clarification à la presse sur l'éventuel détournement des fonds alloués aux prestataires du TENAFEP. Séverine Pascal Katanda. Il n'y a jamais eu détournement ni une quelconque tentative de détournement des fonds alloués à la prime ponctuelle de prestataires du TENAFEP. Ces propos sont du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique devant les enseignants. C'était en réaction à la correspondance de l'Inspection générale des finances sur le respect de la gestion de fonds du TENAFEP par voie bancaire. Selon le ministre Tony Mwamba Kazadi, le paiement bancaire des salaires pose déjà beaucoup de problèmes dans les territoires à accès difficile, qu'il est mieux de procéder au paiement de cette prime à la caisse. Aussi sera difficile d'ouvrir un compte uniquement pour cette prime au regard de l'inaccessibilité de certains coins du pays. Des fois nous utilisons certains opérateurs pour la paix des enseignants comme Caritas, mais Caritas pose aussi beaucoup de problèmes, l'accès est difficile. Pour une petite prime de 30-40 000 francs, on doit mettre ça à la banque. Pourquoi? Tous ceux qui surveillent là, ils se retrouvent un soir avec 30 000, 40, 70 000 francs. Ce n'est pas 500$ comme on l'a annoncé par les médias de la haine. J'ai dit, comme ça s'est toujours fait dans les années antérieures, cet argent-là sera donné à la main. Et puis c'est une prime ponctuelle. Celui qui a surveillé dans cette édition ne surveillera pas nécessairement l'édition d'ici. Alors on ne doit pas ouvrir un compte pour ça. Dans sa correspondance, l'Inspection générale de finances conditionne la libération des fonds uniquement sur présentation de pièces justificatives. Le ministère de l'EPST devrait reverser les fonds non justifiés dans le 10 jours de leur retrait. Les petites et moyennes entreprises bénéficiaires de financement sous la conception d'un plan d'affaires. Il en est aussi question dans cette édition de la mi-journée. Notre consoeur Mireille Ndeke parle de ce programme du secteur des PME.
100 entreprises quinoises viennent de bénéficier d'un financement après les concours du plan d'affaires COPA. Les bénéficiaires ont pris part à une matinée d'information. Question de les permettre de bien coordonner ce financement tout en respectant les normes entrepreneuriales. Le représentant du ministre d'État de l'Entrepreneuriat, Pascal Cello, a encouragé les jeunes entrepreneurs millionnaires en herbe à une utilisation rationnelle de ces fonds pour contribuer à l'émergence d'une classe moyenne en RDC faite des Congolais. Vous êtes donc pour le chef de l'État et pour le gouvernement de vrais cobayes. Et donc, on vous invite de pouvoir bien jouer ce rôle-là parce que, à travers votre expérience, vous allez inciter les jeunes à pouvoir vous imiter. Les bénéficiaires, satisfaits et réconfortés de cette interpellation du ministre d'État, n'ont pas tari d'éloges après cette session d'information. Nous sommes heureux d'être parmi les lauréats COPA. Nous avons eu quand même la grâce d'être sélectionnés. C'est vraiment une première. Parce que depuis que nous avons commencé, vous savez, dans notre pays, c'est vraiment des cas rares d'avoir des accompagnements pareils par rapport à la vision du chef de l'État. Ce que nous pouvons faire, c'est vraiment lui montrer que nous sommes capables de lui donner ce qu'il veut par rapport à sa vision. Le gouvernement de la République, par le biais du ministère de l'Entrepreneuriat, a encore une fois réitéré sa confiance à l'organe conseil, l'unité de coordination de PADEMPME et la Banque mondiale pour ce travail. Des voix se lèvent à travers le monde pour réagir contre la fabrication et l'utilisation des robots tueurs sur le terrain de guerre ou conflit. La Ligue internationale des femmes pour la paix lance quant à ceux une campagne contre la fabrication de ce type de robots. Une alerte aux décideurs et à la population congolaise. Chrissy Lenzo nous en dit un peu plus. Robot killer ou robot tueur, c'est une nouvelle arme létale autonome. Certains pays du monde sont en train de les fabriquer afin de les larguer sur les terrains des conflits ou des guerres. D'où cette campagne dirigée par Will Pif RDC, Ligue internationale des femmes pour la paix et liberté, pour dire non à la fabrication de ces robots killers, une machine qui tuera sans état d'âme. Voilà pourquoi Will Pif RDC demande à tous d'adhérer à cette campagne et d'en être les ambassadeurs. Nous voulons attirer aussi l'attention de notre gouvernement parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont déjà contre ces robots killers et qui s'engagent soit pour la suppression de la fabrication de ces robots killers ou alors qui s'engagent dans le traité de la Convention 180 que les autres pays sont en train de mener pour réellement qu'il y ait une législation qui doit être mise en place concernant ces robots tueurs. Au cours de l'atelier de ce 16 août 2021, Carmeli Kunku et Annie Matundu de Wilpif RDC, aussi Blaise Mumbere de Securitas Congo, ont expliqué les dangers que court l'humanité face à ces robots killers, d'où cette interpellation surtout auprès des décideurs pour décourager la fabrication de ces robots tueurs, car il va à l'encontre du droit international humanitaire. La ville de Mwanda dans la province du Congo central a servi de cadre dernièrement à la signature du protocole de coopération entre l'Institut angolais de communication et l'autorité de régulation de la poste et télécommunication Congo, RTPC. Cet accord porte entre autres sur la coordination des fréquences aux frontières de la RDC et de l'Angola. Jean-Pierre Ndolo de Mazou. La République démocratique du Congo et l'Angola ont scellé leur coopération dans le domaine de télécommunications. L'accord signé entre l'Institut angolais de communication, INACOM, et l'autorité de régulation de la poste et de télécommunications dans la ville portuaire de Mwanda a pour objectif d'harmoniser la gestion des ressources en fréquence aux frontières de deux pays. Une signature qui a été précédée par une réunion de travail des experts de l'RPTC et de l'INACOM tenue le 21 juin 2021 à Cabinda en Angola. Le président du conseil d'administration de l'INACOM et Christian Katende de l'ARPTC ont apposé leur signature au bas du document qui va désormais réguler les services de communication électronique entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Le président du collège de l'ARPTC donne l'importance de cette cérémonie. La rencontre de ce jour pour la signature du protocole de coopération et la signature de l'accord de coordination des fréquences aux frontières démontre à quel point la matière est d'une importance capitale pour le développement harmonieux des télécommunications dans notre sous-région.
Pour le président du conseil d'administration de l'INACOM, cette signature est une étape importante dans la coopération entre les deux institutions. Une étape importante sur le chemin que nous devons parcourir ensemble et permettra de renforcer notre coopération dans divers domaines. L'Angola et la RDC ont donc décidé par cet accord de cheminer ensemble dans le domaine de télécommunications. En séjour de travail dans la province du Haut-Katanga, le vice-ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement s'est rendu à Kasumbalesa où il a visité le port sec. Ce poste frontalier permet à la République démocratique du Congo de s'ouvrir à l'Afrique australe par la Zambie. Confirmation faite par Suzingoy. Situé à 90 km de la ville de Lubumbashi, le port sec de Kasumbalesa, une fois les travaux terminés, constituera le prolongement technique de 7 ports maritimes internationaux de l'Afrique australe où transite le fret import et export de la RDC. Mais les travaux traînent, ce qui a nécessité le déplacement du vice-ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekila, à Kasumbalesa pour le constat qui devra lui permettre de faire un plaidoyer auprès du Premier ministre et du Président de la République pour le parachèvement des travaux de ce grand projet stratégique dans les échanges commerciaux avec tous les pays frontaliers de la RDC. Vous savez que nous sommes membres de la SADC, de ZLECAF, et le port sec de Kasumbalesa est un élément important dans notre efficacité et participation dans ces différentes organisations sous-régionales. Une clôture sur une superficie de 62 hectares a été érigée sur fonds propres de l'OGFREM, mais le site est menacé par une tête d'érosion. Le vice-ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement a également visité le parking de Kanyaka, géré par une entreprise privée, mais qui facilite les camionneurs. Bien avant de se rendre à Kasumbalesa, Marc Ekila avait échangé à Lubumbashi avec les agents et cadres de la division provinciale des transports sur leurs conditions de travail. En santé, le ministre national Jean-Jacques Mbungani a inauguré dans la partie est de la capitale la structure sanitaire Padia Hospital, cela dans le cadre du partenariat public-privé indispensable pour les soins de santé de qualité pour tous. C'est ce que l'on voit dans ce reportage signé et c'est de Kenina. Un centre hospitalier moderne au cœur de la commune de Massina. L'ouvrage attire bien de regards. Padiat Hôpital s'inscrit dans la continuité du partenariat public-privé qui a vu naître l'hôpital du cinquantenaire. Les ministres de la Santé Jean-Jacques Mbungani, qui a inauguré l'ouvrage, apprécient la qualité des services organisés et le coût social en termes de prise en charge des patients. Il est rare de voir une institution hospitalière de cette qualité offrir des soins de santé de première ligne à 5000 francs. Il est rare également de voir des prestations spécialistes à 7000 francs quand même. Je pense que cette œuvre sociale est fortement à encourager. Des spécialistes dans chaque domaine, imagerie, médecine interne, gynéco-obstétrique, néonatologie, la pédiatrie et autres. À quelques années passées, avec l'accord obtenu par le ministère de la Santé, fort de cet accord, la volonté a été de donner licence et de bâtir ces bels ouvrages qui puissent répondre aux besoins de notre population, notamment son fonctionnement par des spécialistes dans chaque service. Au-delà des soins de qualité, cet ouvrage social des Padiat Foundation sera doté d'une morgue. La province de Lualaba a lors des travaux d'asphaltage à Tinkefungurume, cette cité minière entend réhabiliter certains axes d'intérêt local. Reportage. Au nom du gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, le ministre provincial des infrastructures, Paulin Kalau, a donné le coup d'envoi des travaux d'asphaltage des avenues de la commune minière de Fungurume. 7 kilomètres sont concernés par cette action de modernisation réalisée grâce aux fonds générés par la redevance minière. L'initiateur de travaux et bourgmestre de Fungurume, Christian Mukunto, a déclaré que les dits travaux sont à placer dans le cadre du renforcement et de modernisation des infrastructures routières.
les avenues Kimbangu, Deraï, Meleki, orthodoxes, des cimetières et Christian Mukunto vont bientôt revêtir d'une nouvelle robe. Avec à ses côtés, la commissaire générale en charge de l'entrepreneuriat de jeunes et émergence de la classe moyenne, Lydia Kapapa, le patron des infrastructures au Lualaba, Paulin Kalao, a salué cette action qui aligne Fungurume dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a de quoi nous réjouir en tant que gouvernement et féliciter l'autorité communale qui a compris la vision du gouvernement provincial qui s'inscrit justement dans la vision du chef de l'État qui veut que nous puissions transformer notre commune. Lancé ces jours, les travaux d'asphaltage de la voirie de Fungurume vont durer 6 mois. L'espace Katanga et sa jeunesse accueillent à bras ouverts la dynamique Kitengeyezu, une nouvelle formation politique alliée à l'UDPS. Son initiateur Mike Kitenge a pris contact avec les structures des jeunes de Lubumbashi. Cyril Kenina pour les précisions. Une mémoire qui se perpétue, un héritage politique qui se partage. La dynamique Kitengeyezu prend pied dans le Haut-Katanga. L'initiateur de ces nouveaux venus dans la sphère politique n'est pas dans son premier essai. Il a déjà été à l'origine des travaux d'assainissement communautaire à Kinshasa. Bel exemple pour un acteur de développement. La jeunesse du Haut-Katanga s'est ralliée à cette nouvelle vision. Je suis rendu au Katanga afin de palper les réalités actuelles et pouvoir les matérialiser. Nous avons l'habitude de faire des opérations d'assainissement à Kinshasa et des opérations de réinsertion professionnelle de la jeunesse. Nous sommes vraiment pour la jeunesse. La jeunesse mérite un encadrement assez efficace. Alors s'il y a de créativité comme ceci, nous ne pouvons que les encourager et mobiliser toute la jeunesse de la province afin d'être derrière les idéologies et faire quelque chose de très concret, de très réel pour que l'on parle d'une responsabilité de la jeunesse. Nous sommes jeunesse, nous sommes fixés sur les idéaux du chef de l'État et nous devons l'accompagner. L'accompagner, c'est épouser ses idées, mettre l'homme au centre de tout. De retour à Kinshasa, Mike Kitenge, fils biologique du défunt Kitengeyezu d'heureuse mémoire, au représentant du chef de l'État, s'est ressourcé au siège de l'UDPS. Un lien indéfectible avec le Sphinx et sa vision. Une page sportive dans cette édition de la mi-journée. Ce sera avec vous, Yvette Bamoucho. Bonjour. Bonjour, Tétis Samba. Et en sport, la Confédération africaine de football va procéder ce mardi 17 août au tirage du sort de la 33e Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé, au Cameroun. Effectivement, Tétis Samba, ça sera donc sur les coups de 18h-19h de Kinshasa, au palais des congrès de Yaoundé. Hormis les Cameroun, pays hôte, et l'Algérie tenante du titre, les 22 autres équipes qualifiées pour la compétition seront placées dans le 4 pots en fonction de leur classement FIFA, tenant compte de cet aspect des choses. Et cela devra donc donner des pots suivants. Pot 1, Cameroun, Algérie, Sénégal, Tunisie, Maroc, Nigeria. Pot 2, Égypte, Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Guinée. Pot 3, Cap-Vert, Gabon, Mauritanie, Sierra Leone, Zimbabwe, Guinée-Bissau. Et enfin, pour le 4e pot, nous retrouvons Malawi, Soudan, Guinée équatoriale, Comores, Éthiopie, Gambie. La République démocratique du Congo ne sera pas présente à cette fête continentale. Ce ne sera pas pour la première fois que le pays de Lumumba rate une Coupe d'Afrique de Nations. Pour rappel, elle a été absente lors de 3 éditions de suite, celle de 2008 qui s'était déroulée au Ghana, de 2010 en Angola et celle de 2012 au Gabon, Tétis Samba. Et un jour avant, c'était la Confédération africaine de handball qui a effectué le tirage au sort du 37e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de la Coupe à Casablanca. Nous sommes Maroc. Qu'en est-il, Yvette? Oui, Tétis, la République démocratique du Congo ici a représenté dans ces deux versions par la jeunesse sportive de Kinshasa chez les messieurs et héritage chez les dames. Chez les hommes, le groupe A à France est constitué des Al Ali, de FAP, de Red Star Oja et Sokoto Rima. Dans le groupe B, on retrouve Wydad Smara,
la jeunesse sportive de Kinshasa, Hunter Club et ASFASH. Les dames en groupe A, Petro Atletico, TKC, Héritage de la République démocratique du Congo et Rumini. Et en groupe B, on retrouve DGSP, FAP Habitat et ASPAC. Il faut dire que le match d'ouverture se jouera entre Wydad Smara et ASFA. Pour rappel, la compétition se tiendra du 24 août au 10 septembre prochain. À Maknesh, nous sommes au Maroc. Voilà donc Tétis Sambatou pour la page sportive de ce mardi 17 août. Et merci beaucoup Yvette pour tous ces éclairages, pour tous ces éclairages. Et voilà, pour terminer la page sportive, sachez que dans le cadre de la première et deuxième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022, où les Léopards sont engagés, le meneur sportif Yass Santé lance un appel au soutien des uns et des autres. Suivez. La prochaine Coupe du Monde de football 2022 s'organise à Qatar. La République démocratique du Congo, 47 ans après, est déterminée à se lancer dans cette compétition mondiale. Le président d'Alesi les Léopards rénovés, Yassanté Moulongoy, évoque quelques stratégies de réussite quant à la qualification des Léopards de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne les préparatifs pour notre équipe nationale de Léopards, nous avons déjà commencé dans le cadre de notre structure à les Léopards rénovés. C'est à Goma précisément, secteur des Grands Lacs. Avec le ministre, son excellence Serge Condé, il m'a réussi au moins deux fois. Je suis confiant que cette fois-ci ou jamais, les Léopards seront qualifiés à la Coupe du Monde. Transformation de l'homme congolais, c'est passé par la magie africaine. La magie africaine, c'est l'alternance. Comme nous avons fait l'alternance là, c'est le changement déjà de mentalité, mes chers compatriotes. Le premier pays à aller à la Coupe du Monde, c'est nous, la RDC. 47 ans après, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, les premiers honneurs, ça va commencer par vous, les premiers citoyens congolais et les premiers sportifs congolais. Si nous sommes unis, nous serons qualifiés. Une bonne organisation dans une maison suffit lorsqu'elle est établie dans le cœur et dans l'esprit. Ce qui fera honneur au premier d'entre les Congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, et à la population congolaise tout entière. Et ce communiqué de presse, avant de se boucler ce journal, l'inspection générale des finances informe l'opinion que les réactions du ministre de l'UPST au sujet de ces fonds sont consécutives aux dispositifs mis en place par elle pour assurer la traçabilité de leur utilisation, étant donné des fortes inquiétudes observées quant à leur destination. Elle demande à toute personne qui s'invite dans la manipulation des fonds publics à respecter les lois et règlements en matière des finances publiques. Le contrôle s'impose à tous. Il est donc inacceptable que de telles importantes sommes d'argent puissent sortir de la Banque centrale du Congo en espèces et à Kinshasa sans garantie qu'elles arriveraient à destination à l'intérieur du pays. S'agissant du dossier Virdos, l'inspecteur général des finances, chef de service, ne se trouve ni de près ni de loin concerné. Les allégations populistes du ministre de l'EPST sont sans fondement parce que cette société allemande avait déjà été payée par le ministère des Finances au mois de février 2021, soit deux mois avant que lui ne devienne ministre. Le prétendu blocage des fonds évoqués par lui est donc utopique, fait à Kinshasa le 16 août 2021 pour le service de communication de l'IGF APO IPAN. Voilà, ainsi va l'actualité dans le pays. Retrouvez toute l'actualité sur notre site www.rtnc.cd et sur Twitter rtnc.net. D'ici là, prenez soin de vous et très bonne suite des programmes à toutes et à tous.